Bonsoir à tous, c'est Léo, vous êtes sur TC1 et ce soir nous sommes aux 70s pour une soirée Star Wars. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Sarah. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir et en quoi consiste ce stand? Alors là ce soir on fait une animation photo, donc les gens pourront venir se faire prendre en photo directement là et après je les incruste sur un fond Star Wars et ils repartiront avec leurs photos directement imprimées, souvenir de la soirée. D'accord, il n'y a pas moyen de les retrouver sur Facebook ou sur internet, c'est uniquement vous les imprimez quoi, c'est ça? Bah, le but c'est de les imprimer et qu'ils les aient directement dessus. Après moi j'ai une page sur Facebook sur Freedream et sur Wix. Pareil c'est Freedream Picture Photography. Alors bonsoir, qu'avez-vous pensé de ce simulateur? Eh bien pas mal, plutôt immersif, étant donné que l'écran est incurvé, on a vraiment l'impression d'y être, il y a un peu de vent d'ailleurs ouais. Quand on accélère, c'est sympa ouais. C'était une bonne expérience alors? Plutôt une bonne expérience ouais. Mission réussie? Non, malheureusement, compliqué, il faudrait que j'y retourne. Pourquoi? Et les rebelles sont morts. C'était quoi votre mission? C'était sur la planète de Glass Off, et donc voilà, contre les AT-AT et tout ça, donc c'est assez sympa ouais. Vous allez refaire une partie? Et peut-être, ouais. Là, je pense qu'il est pris, mais j'ai pris ouais. Quelques jetons pendant la soirée, je vais revenir. Ouais. Alors, bonsoir, comment vous vous appelez? Alors, je suis Youssef, alias Darth Maul d'Aïr. Et voici, moi, je suis Vael Kaltar, Valentin Combe, alias Vael Kaltar. Que faites-vous ici ce soir? Alors, on est là à la demande du 70s pour animer en fait une initiation au sabre laser. En fait, on s'entraîne environ toutes les semaines avec un groupe d'amis pour tout ce qui est combat au sabre laser, jonglage, etc. inspiré de l'univers Star Wars. Alors en fait, on laisse le choix à nos apprentis Padawan de choisir en fait leur côté, mais on est quand même tous les deux, on va dire, les maîtres pour les entraîner. D'accord. Et du coup, c'est quel site qui vous inspire? Moi, ça serait Darth Plagueis, le maître de Darth Sidious. Qui était en fait un site scientifique et c'est celui pour moi qui est arrivé le plus proche de l'immortalité, ce qui est quand même le but de tout site. Et vous, c'est plutôt quel Jedi alors? Moi c'est clairement Obi-Wan Kenobi, c'est mon personnage. Et comment on peut vous contacter? Vous avez une école de Jedi ou site? Si on peut dire, en fait on est présent actuellement surtout sur Facebook au niveau de la page l'enclave Jedi Toulousaine. Alors on avait mis Jedi justement parce que c'est beaucoup plus parlant pour que les gens puissent nous trouver facilement. Après on s'organise en interne en tant qu'un groupe privé pour organiser justement nos entraînements une fois par semaine qui se passent en général au niveau des argoulés sur les terrains en plein air de sport. Et il y a différentes techniques et écoles selon si vous êtes Jedi ou Sith ou c'est la même? Alors il y a en fait 7 styles principaux qui sont tous inspirés de la version réelle. Qu'on a, qui n'existe pas vraiment, mais qui en fait avec la théorie qu'on peut trouver dans les bouquins
Et les arts martiaux s'inspirent, on peut les recréer, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on enseigne en fait à nos padawans, ou nos apprentis. Ouais. En fait, on n'a pas prétention d'être des maîtres d'armes, c'est sûr, mais en tout cas, on a plus ou moins reconstitué chaque style et on les enseigne comme on peut. Disons qu'en fait, avec Vaël, ça fait presque 3 ans qu'on fait ça par passion. Plus de 3 ans maintenant, oui, effectivement. On fait ça par passion, donc au début, on était vraiment pas bon. Mauvais. Vraiment même mauvais, je dirais. Mais à force de faire des combats, de s'entraîner, etc. De prendre des coups, beaucoup de coups. Mes doigts peuvent en parler. On a commencé en fait à maîtriser un minimum plusieurs styles. Le style principal qu'on enseigne au début, c'est le Shiicho, qui est vraiment le style sur lequel s'inspire. De base. C'est le style de base, voilà. C'est sur lequel s'inspire tous les autres styles. Après, quand nos apprentis et padawan maîtrisent ce style-là, on passe sur des styles plus avancés, tels que le Vapad, Ataru, Jemso, Shien, Soresu aussi, Makashi, Trakata, enfin voilà, tous les styles qu'il peut y avoir dans l'univers Star Wars. Et comment vous est venue cette idée de devenir maître Jedi ou Sith? Alors, oula, je vais répondre celle-là, je pense, parce que, alors, à la base, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a bien aimé les arts martiaux, j'en ai pas mal. Et un jour, j'ai eu l'idée saugrenue de racheter un cosplayer sabre laser et je l'ai entré là-dedans. Ouais, j'ai longtemps hésité, mais finalement, j'ai pas pu résister. Deux heures. En fait, c'était au TGS, tout simplement. On était rentré en contact avec un cosplayer de Star Wars qui voulait justement revendre deux de ses sabres. Et on a celui-ci et un autre qu'on a... Voilà. Non, c'est vrai qu'il n'est pas là, celui-là. Et qu'on a après derrière modifié parce que c'était des Master Replica, donc des répliques officielles du film. Ils étaient fragiles. Et ils étaient fragiles. Et du coup, on les a totalement modifiés. On a mis renfort métal au milieu, on a changé la LED, la lame, etc. Ce qui a permis en fait de pouvoir se battre tout simplement avec, sans casser le matériel et en se laissant, enfin se donnant à fond quoi. En fait, vous avez différentes sortes de sabres laser, c'est ça? Oui, on a deux types de sabres laser. On a les Master Replica qu'on a modifiés. Et globalement, ce sont des sabres qui ont été modifiés pour pouvoir se battre. À la base, on ne peut pas se battre avec parce qu'il y a des LED tout le long qui se cassent. Un peu comme c'est ça. Si je peux vous montrer. En fait, celui-là, il nous a été prêté par le 70s, donc c'est une réplique du sabre de Darth Maul. Normalement, il est en deux parties. Ouais. Et comme vous pouvez voir, sur celui-là, quand on l'allume, il s'allume tout du long. Alors que celui-ci, si vous l'allumez, il s'éteint d'un coup, il s'allume d'un coup parce que la LED est à la base. Alors qu'ici, il y a des LED tout du long. D'accord. Voilà. Sauf que si on se bat avec celui-là, les soudures des LED se cassent et on a du gruyère en fait au niveau de la lumière. Ok. Voilà. D'accord. Et vous pouvez nous faire un petit combat ou nous montrer 2-3 mouvements? Bien sûr. Ouais. Ouais, au niveau des mouvements, d'accord. Merci beaucoup et que la force soit avec vous. Merci à vous aussi. Essayé au sabre laser, c'était une bonne expérience. Ah ouais, super. Ouais. Ouais, je me suis bien amusée. En plus, apparemment, j'ai gagné. Donc, ouais. Du coup, plutôt côté Sith ou Jedi? Eh ben, apparemment Sith. Sith. Ouais. Méchante. Voilà. Thank you.
Bonsoir, comment vous vous appelez ? Bonsoir, je suis Simon. Et qu'est-ce que vous faites ici ce soir, Simon ? Alors ce soir, je suis venu proposer du laser game dans le 70s. On va pouvoir tester deux jeux différents, soit un jeu de tir sur cible où les joueurs vont devoir évoluer dans une zone et trouver les cibles qui s'allument derrière les personnages de Star Wars pour marquer les points en tirant dessus. Et le deuxième jeu, c'est deux joueurs qui s'affrontent, équipés donc d'un laser et d'un casque, et ils vont devoir évoluer dans la zone, se cacher pour essayer de tirer sur l'adversaire avec le pistolet laser. Et vous faites ce genre d'événement assez régulièrement ? Oui, oui, sur la région toulousaine, on propose des activités à n'importe quelle structure, des centres de loisirs, des privés. On peut installer du laser game n'importe où, en plein jour, de nuit, dedans, dehors. On peut l'adapter à n'importe quelle situation. Et vous pouvez nous montrer un petit peu vos autres ? C'est ça, c'est le pistolet laser. Il y a un petit écran dessus avec le nombre de vies, le nombre de munitions. Il y a des touches où on peut recharger, on peut armer des grenades, on peut faire plein de scénarios différents. Quand on tire, il y a un haut-parleur avec un petit bruit de pistolet laser ou de mitraillette. Et quand on tire sur le casque, ça s'allume et les haut-parleurs donnent un petit signal. Donc c'est assez vivant, il n'y a pas de confusion dans le jeu. Petit et grand, on peut tout jouer et s'amuser. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs cibles disposées dans votre terrain de jeu. En quoi consiste-t-elle ? Alors il y a plusieurs cibles, exactement on en a mis 6 ce soir, 6 cibles qui sont cachées dans toute la zone, et quand on lance le jeu de cibles, le joueur qui est tout seul, les cibles vont s'allumer de manière aléatoire d'un bout à l'autre du terrain, donc le joueur va devoir courir un petit peu partout pour trouver la cible qui est en train de s'allumer et pour lui tirer dessus avant qu'elle s'éteigne. Plus il est rapide, plus il va cumuler de points, et on verra ce soir qui sera le plus rapide. Et c'est un concours ce soir ? Oui, on va noter les scores et je pense que le 70 saura offrir quelque chose au plus rapide des pistolets laser de la salle. Comment on peut vous contacter ? Sur le site internet qui s'appelle actiondistribution.com, et on peut intervenir avec des activités laser n'importe où. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Laure, enchantée. Moi je m'appelle César. Je m'appelle Maël. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce laser game ? Honnêtement, on se prend vachement au jeu. Hein. Sympa ? Ouais, c'est sympathique. Ouais. C'est marrant. C'est l'univers Star Wars, donc... T'es fan de l'univers Star Wars ? Ouais, depuis tout jeune, donc... C'est plutôt marrant, quoi. Ouais, vous êtes tous venus pour la soirée Star Wars. Ah oui, oui. Oui, oui. On est venu de Toulon exprès, là, pour la soirée Star Wars. Ouais. On est revenu de Toulon. Ah, on a fait la route. Et vous regrettez pas ? Ah bah non. Non, c'est marrant. Mais en tout cas, bravo, vous m'avez battu. Bien joué. Merci. Merci, Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je fais partie de l'association de la 501e Légion de la French Garrison, donc c'est-à-dire la garnison française. Cette 501, donc Légion, est mondiale, donc elle est représentée dans tous les pays du monde et qui a été créée aux USA par Albin Johnson, membre de notre organisation. Et que faites-vous ici ce soir ? En quoi êtes-vous déguisé exactement ? Alors nous sommes représentants donc costumés en Star Wars, donc personnages de Star Wars, donc il y a Vador, moi en Anakin, il y a encore Kylo Ren qui est bientôt représenté dans le prochain film. D'accord. Et vous faites souvent ce genre d'événement ou c'est la première fois ? Alors souvent oui, à la demande soit des salons comme le Toulouse Game Show qui a eu lieu ou Paris Games Week et autres, salons comme ceci. Et après on peut venir exceptionnellement pour des prestataires privés. Donc on peut vous retrouver partout en France en fait ? Tout à fait, nous avons environ 150 membres et maintenant, si on demande, dans toute la France, oui, il y a forcément un membre ou deux un peu partout. Et comment est-ce qu'on peut adhérer à cette Légion en fait ? Alors en fait, nous procédons à ce qu'on appelle une validation, donc une authentification du costume. Donc le costume, donc il est obligatoirement acheté ou fabriqué directement par la personne. Et donc après, nous envoyons un mail à la personne qui valide donc ce costume. Et s'il a une validité conforme au film, on peut prétendre à être membre de la 501e Légion. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Essentiellement par internet, www.501st.com.
Bonsoir, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Anaïs. Et qu'est-ce que vous faites ici ce soir, Anaïs ? Ce soir, eh bien, j'anime la roue ici présente sur le thème de Star Wars avec les clients qui ont la chance de se présenter à moi avec un ticket. Et quel est le but du jeu ? Et le but du jeu, c'est de faire tourner la roue et de gagner ou perdre, malheureusement, on va toujours gagner plusieurs possibilités. Donc il y a une heure de bière à gagner, un shooter, une initiation au sabre laser avec des Jedi et le stand de Laser Game tout au fond du bar aussi. Donc tout n'a pas un rapport avec Star Wars ce soir? Si, justement, parce que j'ai oublié, il y a un jeton à gagner aussi pour le pod Star Wars qui est présent juste à l'entrée du bar. D'accord, en fait, chaque image, c'est une récompense différente, c'est ça? Une récompense différente, exactement. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonsoir, vous passez une bonne soirée? Ah, super. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je viens souvent ici en fait, donc du coup, quand je suis qu'il y avait la soirée Star Wars. Vous êtes fan de Star Wars? Totalement. Ouais, c'est pour ça que vous êtes venu en particulier? Ah, bah oui, et le fait que bon, on vient souvent ici, donc c'était une paire de coups en fait. Ouais. Et vous, vous passez une bonne soirée? Oui, très bonne. Et pourquoi vous êtes venu? Vous êtes fan de Star Wars aussi? Oui, fan de Star Wars, fan de ce bar aussi. Voilà. Vous êtes des habitués en fait, c'est ça? Ouais. Alors Philippe, bonsoir. Merci de nous avoir accueillis ici ce soir. Je voudrais savoir pourquoi une soirée Star Wars? Bonsoir. Tout simplement parce que je suis un gros fan. Qu'il y a des fans de partout et que comme il y avait la sortie du film, donc du coup, comme on aime bien les soirées à thème, c'était l'occasion de faire une soirée Star Wars. Quoi. D'accord. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de monde pour ce soir. Oui, ouais. Même je dirais que ça a dépassé nos attentes. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde parce que voilà, Star Wars c'est populaire et tout ça. Ça touche du coup toutes les générations, même ceux qui ont à peine juste vu la prélogie. C'est ça qui est énorme. Il y a un côté fédérateur aussi et ça fonctionne et c'est chouette. Quoi. D'accord. Et quelles sont vos prochaines soirées, vos prochains projets? Alors en février, on est en train de réfléchir sur une soirée manga. Après mars, en général, on fait rien parce que le 17, il y a toujours la Saint-Patrick. Après avril, on fait une soirée pirate qu'on a déjà fait par deux fois. Donc on fait des rhums arrangés. Donc il y a quelqu'un qui fait des rhums arrangés. On fait des dégustations et tout ça. Donc comme d'habitude, il y a un décor et des animations. Et au mois de mai, donc pour clôturer la saison, on fera une soirée SOS Fantôme parce qu'il y a le 3 qui sort au mois de juillet. Quoi. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour cette soirée. C'est moi, avec plaisir. Au revoir. Merci.